Les travaux étaient localisés à la fois sur les façades intérieures et extérieures de la porte. La partie supérieure de la façade intérieure a été nettoyée, puis les joints et le ciment ont été retirés. Des moellons se sont déchaussés pendant ces opérations, ils ont donc été déposés puis remontés. Un enduit a ensuite été appliqué puis brossé pour une finition à pierre vue, et la race du mur a été recouverte d'une chape de mortier. Des trous de boulin ont par ailleurs été recouverts d'une ardoise afin de les protéger. Les joints ont aussi été refaits sur le pavement de l'arc ainsi que sur ses pieds droits. Côté extérieur, sur les pieds droits nord et sud, plusieurs pierres ont été remplacées. Elles ont été patinées avec un mélange de pigments noirs et ocre afin d'obtenir un rendu homogène sur l'ensemble de la porte. Les pierres ont été récupérées du stock taillé par les bénévoles des années précédentes et retaillées sur place afin de correspondre au schéma de la porte.